Allez, on part sur du standard parce que moi je suis un kéké mais pas non plus un kéké. Oh! Merci. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère. Merci Daylidan. Bonsoir, merci beaucoup. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça sous. Ah oui, c'est la voix. Vêtue, l'enfant frissonnait. La voix française de Cersei. Un sombre apparut et d'un claquement de doigts, on dirait Harry il Potter. Transforma la brume en une robe magnifique. Viens, mon enfant, réchauffe-toi, dit-il. Ah là, le vêtement. Je parle avec les doigts. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea. C'est une nageoire, ça ? Et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre canon. Aucun rapport, là. Le cheval se mit en colère. Ah oui, il est dit, et appela les autres monstres. Je comprends mieux. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière. Ténébreuse, mais majestueuse. D'accord. Donc oui, c'est Resident Evil 8. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Le gamin, il s'en bat les couilles. Ça y est. Elle dort. Il est moche. Des histoires moins flippantes. Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Le village des gens. Et puis... ça n'a pas l'air de gêner Rose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié ? Ma mémoire fonctionne très bien. C'est un bébé. Écoute, t'es trop paranoïaque. C'est juste... non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. C'est pixelisé, les cheveux, là. Faut que je... faut que je trouve... je vais préparer le dîner. Oh mon dieu, t'es moche. Oh mon dieu, t'es moche. Mais c'est mon enfant, donc je peux pas dire qu'il est moche. Mais oh, il est moche. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Ah oui, Von Draken, il est à l'heure. Von Draken est là. Tu as dit quelque chose ? Rien. Rien, ta gueule. C'est pas... putain, la violence. La violence inutile. Bon, attendez, l'affichage. Est-ce que je suis en quoi, là? Excusez-moi, le micro fait pou 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 pou. Qualité de l'image. Bah, la qualité de l'image, elle est pas top, là. Bah alors, la résolution de l'écran. C'est quoi cette résolution de merde, là? Je voudrais une meuf pour faire des trucs avec. Y a pas du 1280. Mais arrête de me demander de changer à chaque fois. Tu te fous de moi là? Là je monte trop là non? Non je veux du... ah voilà, 1920, 1080, voilà on est en 144 Hz. Framerate, bon... on va laisser à 60 parce que vous verrez pas la différence. Qualité ultra, ouais, d'accord. Texture, on va mettre un petit peu plus élevé. Ah bah non, il me dit non. Il me dit non, il veut pas, il va faire chier.
Ray tracing, ok, ok, tout est activé. Ouais, voilà, voilà. Oui, 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 oui. Ok. Et si je fais retour, est-ce qu'il a pris en compte, là? Oui. Est-ce que c'est mieux? Un, je vais la coucher. Ouais, c'est un petit peu plus lissé. Mais le bébé est toujours aussi dégueulasse. C'est l'aîné Démétris Q que je veux. Bah, c'est pas tout de suite. En plus, elle s'appelle Démétris Q, quoi. Merde. Merci, Oncle Ben. Et t'es pas gentil, Oncle Ben. Bon. Faut le mettre au lit, c'est ça? Et tu fais quoi? Tu fais à manger? C'est quoi à manger? Y'a quoi à manger? T'approches pas trop de moi quand je cuisine, chérie. Pourquoi? Parce que tu pourrais me bouffer, c'est ça? Parce que t'étais une zombie avant? C'est ça? Bon, faut aller où? C'est où? La maison elle est grande, ils sont pétés de thunes, c'est pas possible. Je vois rien parce que j'ai la lumière dans la gueule, ça fait longtemps que j'ai pas streamé, donc j'ai oublié comment ça faisait. Ah ouais, c'est une grande baraque hein. Là, ça paye bien d'être personnage de jeu vidéo. Une photo. Elle va faire des ravages plus tard. Elle va faire peur aux gens frère. Quand il fera meilleur, on ira se promener. D'accord, pas maintenant alors. Il y a quoi dedans? Il y a des balles de pistolet? Non, pas de balles de pistolet pour l'instant. Ouais, j'avoue, c'est un manoir. Ta gueule, toi! Salut, Pipou! Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Mes bébés dans le chaudron de la cuisine. Ah, bien sûr, oui, tout à fait. Tout à fait, oui. C'est quelque chose qui se fait, ça. Putain, c'est super son parce que j'ai vraiment un truc dans la gueule, quoi. Ah, la pub! Attendez, je reporte. Je peux apparemment reporte les pubs, ne pas les faire passer. Mais je peux faire que 3 fois comme ça. Après, il passe automatiquement la pub. Pourtant, j'avais bloqué la pub. Wow, congratulations! C'est pas une chambre. Le congratulations, il sert à rien. C'est pas une chambre. Si je le mets dans les chiottes et que je tire la chasse. Les médicaments de miel est sous traitement depuis l'incident. D'accord. Elle peut en tout moment redevenir un espèce de zombie qui veut me bouffer. Je peux pas sprinter? Après, je sais, j'imagine qu'on ne doit pas sprinter. On y est presque, ma puce. Sprinter avec un gamin dans les bras, mais... Bah franchement, j'ai vu à quoi elle ressemblera dans le futur, le bébé. Bah, elle sera très jolie comme quoi il faut attendre avant de guetter les jeter les immondices dans la poubelle. Cette violence. Comment t'as vu ça? Comment tu sais ça? Bah je pense que c'est la chambre. Déjà c'est le mec qui prend une heure pour trouver la... Ah le... Qu'est-ce que c'est quoi le bruit? Il y a un bruit là-bas. Il y a un bruit qui vient de là. Si chaque truc que je vois... On s'est disputé, encore disputé, Mia et moi. J'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a 3 ans et ça fait sortir de ses gonds. Ouais, 3 ans, elle s'est transformée en zombie, elle a voulu me buter. Maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe, d'ailleurs ça spoil tous les gens qui n'ont pas joué au 7, désolé. En Europe, on va un peu pouvoir se consacrer à Rose. Donc ils sont en Europe. J'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Louisiane. Je sais que Mia n'aime pas en parler, mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier et faire comme si de rien tout avait existé? Je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé pour mieux construire notre avenir avec Rose. En tant que parent, on doit bien cela. On lui doit bien cela. On lui dit la vérité. Maman a voulu buter papa. Et papa a voulu buter maman aussi parce que maman voulait buter papa. Je suis sûr que Mia est consciente. Elle aussi, elle en est consciente. Elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital si ce n'était pas le cas. Elle a explosé, elle a encore envie, dis donc. Dis donc On va pas faire attendre ta mère. Elle fait peur quand elle est fâchée. Ah bah... tu m'étonnes. Et voilà, mon ange. Ah, tu vas dans le futur, d'accord. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Je comprends mieux. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Ne... Mais fais pas des promesses que tu ne peux pas tenir, frère. Bon. Là, c'est bon. En même temps, Louisiane... Française à l'origine, ça fait peur. Quoi? Y a un mot que j'ai pas compris. Quoi? Dark, tu t'es fait virer parce que tu t'as cassé la figure à un de tes supérieurs? Pourquoi t'as fait ça?
En même temps, la Louisiane est française à l'origine, ça fait peur. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Oui, la Louisiane, effectivement, ils se sont disputés pour avoir la Louisiane. Elle est où? Putain, vous trouvez pas que c'est un petit peu cliché, la femme dans la cuisine, là, en train de faire bouffer? Ça a été. Enfin. Elle dort comme un bébé. Bah c'est un bébé. Ça sent bon, ça, c'est quoi? Eh, hey, bats les pattes. Mais t'as pas avec la louche? C'est une ciorba de légumes. C'est dégueulasse. Une recette locale. Sa main est sale, wow. Il a touché un bébé. Tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que t'y touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. C'est pas le principe des... Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire... Tout s'est enchaîné si vite. Mais... À l'armée, c'est pas ce qu'ils font, gueuler sur... Vous insultez? Moi, Rose... La base? Maintenant... Je suis sûre que ça. Sérieusement? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane? Et ça fait un CD au pied de cul si tu mets du vin dans la nourriture. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Bah t'as pas eu mal, madame? Baisse-toi! Désolé, Ethan. Pourquoi t'es venu? Putain! Pourquoi? J'allais dire pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je crois pas qu'Ethan est au cocu, mais merde, mais qu'est-ce... Avance! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça? R.A.S. Rose? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons, monsieur. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Bah, Chris... Mais depuis quand Chris est devenu un bâtard? Après, prends le bébé, moi je m'en fous, hein. Mais depuis quand Chris est devenu un bâtard? Il vient tuer sa meuf et prendre son bébé. What the f... Quoi? Il était temps que je joue à ce jeu. Carling. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute. C'est le frère d'Ophélie. Jeudi prochain à 4h. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Ben non, je connais rien dessus. Coucou Megesta, coucou Livkill. Allez, fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Putain, Van Draken. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi. Je vais elle ira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça? Mais je tiens à toi. Tu es décédé, madame. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Tu es décédé, madame. Tu es morte. Merde. Faut que je réponde. Capoute. Alors, Von Draken qui dit, c'est pas Chris Redfield, mais Chris Montablo. Putain, le bébé, il est moche. Oh, putain. Oh, il a une sale gueule. Ah, je suis désolé, ils ont essayé de le modéliser pour qu'il soit mignon, je pense, mais... Oh, il a une sale gueule. Non, je regarde pas les let's play, moi. Parce que ça me spoil le jeu. Même si je sais, des fois, il y a des jeux, je vais mourir, j'aurais jamais joué. Mais bon. Les bébés, un jumpscare, pas comme les autres. Où est Chris Redfield? T'inquiète, Liv. Merci d'être passé. Et merci pour des messages d'encouragement. Ça fait plaisir. Il faut que je regarde ce que t'as fait aussi. T'as créé
un compte de l'emmerdeur. Je l'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, bah, je suis dans la neige. Voilà. On était dans une voiture. Il est mort. Objectif, abattre la cible et récupérer le corps. Sécuriser Rosemary Winters et Ethan Winters. Et du coup, on bute vraiment la meuf, quoi. Transporter les Winters jusqu'au site C pour des examens approfondis. Au moins deux soldats devront les accompagner. D'accord, bah ils sont décédés. Et du coup, ça c'est quoi ça? Il est hors d'usage, le téléphone, d'accord. Est-ce que je peux me baisser? Oui, je peux me baisser. Est-ce qu'il y a des trucs dedans? Il y a un mur invisible, je peux pas y aller. Ok, super. Le clignotant est activé. D'accord. Tu peux pas marcher plus vite? Je sais que tu viens d'avoir un accident, mais quand même. Voilà. Mais Ethan, c'est un reptile, c'est-à-dire. Ah d'accord, je regarderai sur Discord aussi. Voilà. Il fait sombre quand même. Pourquoi faire un convoi de voitures plutôt que d'en prendre 10 afin que rien de comme ça n'arrive? Hein? Pardon. Pourquoi faire un convoi de voitures plutôt que d'en prendre 10 afin que rien comme ça n'arrive? Ah, tu veux dire ils auraient dû prendre plusieurs voitures? Quoi? Ah, la mousse bizarre. D'accord. Oui, dans le défense d'entrée. D'accord. Ben, j'ai pas le choix là. Passer en dessous. Mais pousse pas ça comme ça, rampe putain. Bah voilà, tu t'es blessé, super. Alors là, blessé inutilement, un point de vie en moins. Waouh, c'est super. En fait, j'ai. Attendez, et si j'enlève ça, est-ce que vous me voyez pas? Ah ouais, vous voyez vraiment rien en fait. Ah merde. C'est peut-être un peu trop sombre, non? C'est ça? Vous me voyez pas du tout? Bon, apparemment, vous me voyez pas. Je me comprends, c'est l'important. On me distingue, d'accord. Et là? Sinon, on peut jouer comme ça, hein? Comme ça, je peux me curer le nez sans problème, ou même être à poil, quoi. Bon. Là c'est compliqué? D'accord, bon, on va venir comme avant. Parce que je vois que dalle, en fait. Je sais pas comment ils font. Oh, c'est quoi? C'est un oiseau mort. Je sais pas comment ils font les streamers professionnels. Oulala. Ah, je pense qu'ils doivent mettre. Bah, c'est simple. Je vais jouer avec Dark Stéphane. Ça met dans l'ambiance. Oui, j'imagine bien. Je vais jouer. Qu'est-ce que c'était? Je vais jouer sur un autre écran. En fait, j'ai deux écrans. Putain, mais calme-toi! Il est encore vivant, lui! Il est encore vivant? Il fait du bruit, on dirait une alarme. Ok, Walking Simulator. Ah! C'était des pieds! J'ai vu des pieds devant! J'avoue, le cri de corbeau, il est chelou. Le 7 est sorti il y a quasi 10 ans et le 8 est sorti il y a plus de 3 ans, donc le spoil ça n'existe plus. Pardon, j'ai eu une vibration, ça a fait un truc bizarre sur ma tête. Je distingue des trucs, je crois que ça c'est un pont. Et des poissons morts. Ils sont décédés, les poissons. Ils sont comme ça. Ils sont morts. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des cartons, d'accord. Ok, bah on est dans Skyrim ou quoi, là? Ça, c'est une porte. D'accord, je peux pas passer par là. Ah, il y a une porte ici. Voilà, super. Bonjour, il y a quelqu'un? J'ai un anneau à ma main parce que je suis marié. Bonjour. Oui, bah dis donc. C'est cosy, ici. Est-ce que je peux avoir une lampe, s'il vous plaît? C'est une corde. Y'a rien dedans.
Là, tu as fermé le robinet, frère. Dans ce sens. Des médicaments. Ok. De toute façon, je vois que dalle, donc bon. Ok. D'accord. Bon, y a rien dedans. Mais... C'est quoi ce bruit? Y a un bruit... Y a une porte là. C'était pas ouvert, si. Non. Vous voyez quelque chose? Par contre, ça, qui a ça dans son tiroir? Une corde, ça se met pas dans un meuble. Ouais, ça se met autour du cou. Meilleur Oscar, l'imitation d'un poisson ever. Merci. Alors, en parlant d'Oscar, je joue dans un court-métrage qui s'appelle Oscar. Et demain, il y a l'avant-première et je vais regarder... Je vais regarder mon premier rôle dans... La gueule! D'accord. Pardon. Nope. Bonjour, y'a quelqu'un dans cette baraque là? Excusez-moi. Allô? Bonjour. Comment on pivote? Oula! Oula là! Oula! On se donne pas envie hein. Excusez-moi. Mais... Oula! Et alors? Y'a les symboles partout là, dis donc. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est pas pour vous vendre un abonnement internet, hein? Purée. Personne. Ah, un chemin. Y'a un bruit bizarre là, on est d'accord, hein? Des soucis de plomberie, ouais, j'avoue. Les bruits, ils sortent de partout. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un truc qui va faire. Bah! Oh, je vois, c'est un petit rat. Mais c'était rien. C'était qu'un rat. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé en haut, là? Ethan, cours! Tu veux pas courir? Il veut pas courir. Qu'est-ce qui s'est passé en haut? Il y a 4x4 qui est rentré dans le... Ouais, super! Prends le rat et balance les ennemis, bien sûr. Bonsoir, Gortaga! Je me suis blessé la main, je crois, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, frère. Ah bah y'a un trou dans le mur là. Le jour se lève, comme dirait Chimène Badi. Je verrai peut-être enfin quelque chose. Là je peux courir. Il peut pas sauter? On saute pas dans le jeu? Parce que quand je fais espace, ça me fait ça. On peut pas sauter dans le jeu. Oh. Mais où est-ce que je suis? Ah putain. C'est l'Europe, Ethan. L'Europe vue par les Japonais. Il y a un gros château de Dracula. C'est l'Europe. Ouais, on va courir. Et voilà. Oh oui, tu la sens, ma grosse intelligence. Oh, c'est des poubelles européennes. Un cheval. Comme chantait Johnny, un cheval mort, comme un cheval mort. Je sais plus c'est quoi la chanson du cheval mort. Waouh, le jeu. Ils sont sortis. Ils sont sortis depuis longtemps, hein. Le jeu est beau. Encore ce truc? C'est une secte. C'est une secte. Et s'il y en a qu'un, c'est un insecte. Wow, je t'ai vu. Trop tard. Le truc a disparu, quoi.
Salut tout le monde, salut Stéphane, désolé, je suis avec mon pote Big Up à Antoine, je te laisse, bonne game. Bisous, bonne soirée à toi, profite bien avec Antoine, kiffez bien votre soirée. Bonsoir Tomsky, Alien Tomsky, bah oui, mais dis donc, moi ça fait un moment que j'ai pas stream là, 2 semaines. Trop de choses en même temps. Qu'est-ce qu'il dit, do not enter? Ah bah je peux pas enter, de toute façon c'est fermé. Bon, faut aller où là? Bonjour, vous auriez une lampe? C'est quoi? C'est une étable? Ouais, c'est une étable. Vous voyez quelque chose, vous? C'est pas trop sombre pour vous? Je peux faire quelque chose avec ça, non? Une porte, là. Ouais, une porte que j'ai pu ouvrir. Ok, c'est l'étable. Qu'est-ce bruit? Il y a un truc qui a bougé à gauche, là. Mais je viens de là, moi. J'ai fait le tour, là. Oui, c'est un jeu pour Mad, ça. Je me disais peut-être que Mad, ça plairait Mad, mais... Mad n'est pas là ce soir. Je pense que Mad va arriver à la fin du live en disant « Je suis là !» Et je vais dire « Bah désolé, mais on a fini. » Ah voilà, ça va sur mon mode comme ça. Oula, oula. Bah c'est une tête de chèvre, Ethan. Une tête de chèvre, ça se voit. C'est des têtes de chèvre, avec des cornes et tout. Et ça, c'est un... mégaphone. C'est au-dessus du superphone. Et un peu en dessous de l'iPhone. Excusez-moi, je suis fatigué aussi. On est d'accord qu'il y a un bruit de fond, là. Ah, c'est les boucs. C'est les boucs. Toutoulou, comment tiennent? C'est un bruit, en fond. Qu'est-ce qui est écrit? Moi, je lis des trucs, moi. Fermé suite à la disparition du propriétaire. Hello, hello. Grossienne. La porte était fermée, ça s'est ouvert. Hein. J'aime pas trop ça. J'aime pas ça du tout, même. Bon, on va rentrer par là, quand même. Manif CGT? Ah, ouais. Les gars, ils sont en manif. Et moi, j'arrive, je dis bonsoir, excusez-moi, je suis perdu. Je dis, écoute, on est un peu occupé en ce moment. Bah oui, avec tes points, Ethan. La porte s'est fermée derrière moi. Super, il y a beaucoup de courant d'air dans ce truc. Un couteau! Yeah! Je vais pouvoir attaquer. Voilà. Premier soin! Wouh! Une bouteille de Perrier. Ça ressemble pas à une bouteille de Perrier, le truc? Attends, je vais pas l'utiliser maintenant. Table pour fermer. Me dis pas que j'aurai les ennemis déjà là. Je vois pas bien. C'est sombre. C'est super sombre. Attendez, je vais essayer d'augmenter la luminosité parce que je vois rien. Je vois que dalle. Déplacer jusqu'à ce que le motif soit à peine visible. Ah ouais, ben là... Là, il est à peine visible pour moi. Ah, là, il est pas visible du tout pour vous. Voilà, là, il est à peine visible, je pense. Ce sera déjà mieux. Oula, soit à peine visible. Voilà, là, on est sur du à peine visible. Ah, on n'a pas la même... On n'a pas le même écran. L'image de gauche disparaît. Là, l'image de gauche a disparu pour moi. Mais voilà, là, je vois quelque chose. Il y a de l'ail par terre, des pommes de terre. Là, on voit quelque chose. Tu vas y avoir la voix du caïd de que fait si bien Ganesh. Oui, mais les enfants... On se retrouve aujourd'hui sur du Resident Evil. Non. Resident Evil. Captain Krabs aussi. Quelqu'un vit forcément ici.
Bah c'est Mia, non? C'est la même soupe dégueulasse qu'elle a fait en début de jeu. Noir c'est noir, mais non, c'est pas raciste, c'est la chanson. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Rouge c'est rouge. Je crois pas que ce soit les paroles, vraiment. Mais non. Bon, moi je tape partout avec le couteau. Waouh. Bon. Ah, je peux ouvrir ça. C'est un rideau. Ah non, 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 non. Du calme. Du calme. C'est pas Wiesel, monsieur, heureusement. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne. Il y a eu un accident sur la route. Chut. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit ta gueule, t'entends pas le bruit dehors? Oh non. Ils arrivent. Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue. Il y a un couteau. Pourquoi? C'est eux qui passent. Prenez-le. Prenez-le. Je veux le fusil à pompe. Pour le mettre sur mon dos. Bah j'aurais pas le plus à pompe. Putain. Ce que tu... C'est tout ce que tu trouves à dire. Moi je me serais barré. On est encore dans la pénombre. Oui, pas qu'un frère. Oh non, il y en a d'autres. Ah mais ils sont tous sous terre en fait. Ils sont tous sous terre. Oh la vache. Mais putain, c'est quoi cet endroit? Ah, je connais pas cette chanson. La valse les brunes. La valse brune. Wow. Bon, le jeu, ça va, il est bien fait. Vous réveillez pas, s'il vous plaît. Oh, putain. Ah, j'ai perdu la moitié de ma main, là. C'est un loup-garou. Oh merde. Ah, je suis nul. Mais... Mais il a besoin de combien de balles pour mourir, lui? C'est quoi ce bordel? Avec les années, tu as perdu la main. La main. La main, j'ai compris. J'ai compris. Yeah. Maintenant, je vais mettre ce son quoi, à chaque fois que... Tu veux que c'est accepte tout maintenant qu'il soit contre les zombies? D'accord, c'est très bien. Donc, pendant 5 minutes, on va faire de l'accepte tout contre les zombies. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live forcément un petit peu plus qualitatif parce que maintenant, c'est moi qui reprends le flambeau. Nous allons pendant 5 minutes jouer comme des PGM. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot, dis donc. PGM. Il me reste 9 balles. Dans mon pistolet que je vais récupérer. C'était quoi ce bruit? Je vais récupérer d'autres munitions, peut-être que un coup à boulot. Très bien, un coup à boulot. Moi vraiment j'en ai besoin partout tout le temps. C'est bien d'avoir des coups à boulot. Des coups à boulot. Et je suis plutôt sur un accent marseillais plutôt.
Alors, où est-ce que je peux utiliser ce coupe-boulon? Coupe-boulon. C'est un chaudron? Non, non, voilà. La sortie, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai dit, ça va être qualitatif. Ça va être meilleur. Oh! Du fluide chimique! Du fruit chimique, je sais pas à quoi ça va servir, mais... Oh, des plantes! Des pareils, un accent un petit peu trop... Pas accepte tout, là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du accepte tout, c'est peut-être pour ça. Je ne comprends pas. Oui, c'est pour grand monsieur, effectivement, tu vois. Tu as la ref, tu as la ref. Bon, ah, c'est une porte ici. Oui! Coupe melon! Coupe des boulons. Ça coupe les boulons. Très bien, il y a du sang, super. Qui dit sang, dit ennemi. Ça brûle ce truc? Je pense pouvoir brûler ou passer dedans. Oh, la main est toujours coupée. Moi, je l'ai. Je suis en train de crier, en train de pleurer, hein. Mais lui, non. C'est un bonhomme, il a pas mal. Moi, je l'ai. Moi, j'ai mal quand je me tape le pied contre le. Mais arrêtez de mettre des cadavres comme ça, de ranger des cadavres comme ça! Ça se fait pas. Ah, il y a une radio Silent Hill! Silent Hill! Ça, c'est une botte. C'est verrouillé, d'accord. Super, super. J'adore quand c'est comme ça. Par contre, je peux pas bouger un petit peu plus vite la caméra, là? Bonjour! Je vous ai vu! D'accord? Alors maintenant, vous sortez! Il a soufflé deux fois dessus et c'est passé. C'est vrai. C'est pas vraiment accepte tout, excusez-moi! Ah, c'est trop aigu peut-être. Est-ce que là, ça va? Il faudrait peut-être que je parle un peu plus comme ça. Peut-être comme ça. Est-ce que c'est meilleur? Vous pouvez pas dire que... Attendez, vous pouvez pas dire que moi, la personne qui fait à la base accepte tout? Que c'est pas ça. Ouais, tu imites pas super bien accepte tout hein. Sérieusement, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, d'accord. Bon, oh, des munitions pour pistolet. Ah, j'ai crié en accepte tout tellement je suis dans mon rôle. Bon, si je le passe là, il va me choper. Pas grave, je le passe. Ah, vous pouvez utiliser les étagères pour barricader les portes. Oh, il faut que je maintienne, D'accord, très bien, c'est maintenu. Voilà, maintenant il y a quelque chose en haut. Monsieur! Tu n'es pas discret, Ethan! Oui, chimique. Très bien. Mais... Ah, pardon. Ah, viens ici, espèce d'enfoiré. Je vais te défoncer. Te tuer. Viens. Tu as peur, hein? C'est pour ça que tu viens. Gueule! Je vais pas gaspiller des munitions pour... Oh! Merde! Ah! Et qu'est-ce que je fais? Ah! Oh là là! Je vais mourir! Wow! Vite, mets du perrier sur la main. Ça va mieux, ça va passer. Attends, je vais le monter peut-être là-haut, il y a un petit chemin. Non, il n'y a pas de chemin. Ça y est, c'est fini. J'en ai tué un, c'est bon? Ça joue en normal parce que je suis un thug, mais pas trop thug non plus. D'accord? La radio, elle est venue. S'il y a le moindre survivant, venez chez moi.
chez Louisa, la maison près des champs. Non. Ils sont vivants. Ethan, fais pas confiance. Je ne fais pas du tout confiance. N'importe quoi, on t'a bouffé la moitié de la main et là tu veux aller. Ah. C'est bon, le soleil se lève. Ils ont cassé la barricade. Est-ce que ça fait 5 minutes là? Et toi là, je te vois en train de faire caca sur le toit. Toi là-bas aussi, sur l'escalier, en train de faire caca. Arrêtez de chier partout dans ce village. Attention! Bah quoi? Ça ne m'attaque plus? Je sens tout le mauvais, c'est plus... Oh! Ça va chier! Ça va chier! Ils sont où? Ils sont où? Attends. Sac de farine, ok. Poudre noire, super! Percez-les pour aveugler les ennemis. Ah, d'accord! Je me suis aveuglé moi-même, je pense. Attendez, est-ce que c'est fini là, l'accepte tout? Je pense que l'accepte tout est fini. Je vais le passer en normal. Parce que c'est quand même une concentration. Autre. Allez. Et attention à moi! Ah, j'allais faire un 360. No scope, mais bon, d'accord. La lumière, s'il vous plaît. D'accord, ok. Bon. Tu veux vraiment te battre, là? Il y en a de plus en plus. Ah! Mais lâchez-moi! Arrêtez! Arrêtez de me poursuivre! Mais non! Ah! Mais... Ah! Mais lâche-moi, monsieur! Arrête! Le gars il ramasse quand même des trésors sur le chemin. Ah! Mais non! Mais je vais mourir! Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois aller? Je vais mourir, je vais mourir. Ce jeu est nul. J'y crois pas. Merde. Si c'était ça la sortie, j'aurais pu y aller depuis tout à l'heure.
Non ! Aidez-moi ! Dites-moi, faut aller ! Merci pour l'abonnement, Nevaven. Excuse-moi, j'ai pas pu... Salut, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Putain, la bête, elle a changé dans La Belle et la Bête, hein. Sale gueule maintenant, la bête. La cloche, il y a la cloche, il y a une cloche. Avant j'étais un aventurier, mais bon. Une flèche dans le genou. Demi-main en moins. Tout cet effort pour finir en cinématique, j'avoue. Je pense que peut-être en fonction de ma vie, si ma vie était vraiment très très basse, j'allais pas mourir. Madame! T'aurais pu venir avant quand même! Attendez! T'es qu'une connasse! Tu vois pas que je suis en train de mourir, t'aurais pu ouvrir la porte avant. J'ai plus de munitions, j'ai rien, je boite, je suis une merde. Avec tes grelots là. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame. Madame. Restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Je pense qu'elle est dangereuse aussi, frère. Vous m'entendez? C'est toi. Le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? Une petite comptine entraînante. La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! C'est la reine dans Blanche-Neige. Attendez! Où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Elle a un pet au casque, la vieille, là. Rose est ici? Ouais. Putain de rire. Bon, alors, il y a des petites lumières un petit peu partout. Voilà, il y a quelqu'un qui vient d'allumer, ça, hein. J'ai eu peur. J'ai sursauté. Cette sourire pourrait être projetée. Ouais, mais faut que je crochette. Oh, lican, loup démoniaque légendaire. Venez nous dévorer. Venez manger notre chair. Y'a rien d'autre ici? Non, y'a que dalle. Je vais ressortir. On dirait moi quand je réussis un montage. Quand tu rigoles? Dommage que j'ai pas de zoom comme dans Cyberpunk. On va voir la carte. Ah, j'ai une carte. Alors, vierge guerrière. Ici, on a quelque chose accrochetable. Attendez. C'est quoi ça? Un cadenas. Un autre cadenas. Ok, il faut peut-être que je puisse arriver ici à un moment, mais bon. Bon, bah on va explorer, on verra bien. Hein? Ici c'est quoi? Un puits. Maintenant, il y a un autre cadenas. Bon, là on est, ok. Bah de toute façon on découvre le village, hein. Voilà. Bonjour, ne faisiez pas attention à moi, je suis qu'un étranger avec un couteau. Le couteau, il est quand même vachement utile parce que bah, vous avez des espèces de loups-garous qui essaient de me buter, alors on va faire... Il faut un objet, d'accord, ouais. Imagine un espèce de truc qui tourne, un moulinet.
Un tracteur, le gars qui a conduit ça, il est certainement bourré, hein, au vu de là où il est allé. Et ben alors, la vigne, on fait pas que la faire pousser, on la boit aussi, hein? Ouais, c'est rouge en bas à gauche. Un corbeau. Ah, t'as de la chance, toi, hein? Ça, c'est un petit cabri. Ces chefs protègent notre village et ses habitants du mauvais œil. Quiconque les détruit subira la colère de Mère Miranda. Genre comme ça? Voilà. La foutre, moi. Je suis comme ça, moi. Je suis un thug, je bute des chèvres en bois. Particulier quand même, hein, comme il y a deux ronds qui manquent. Je pense que c'est les visages. Je vais les chercher. Oh, je peux passer par là, je pense. Jolie petite maison, ça dit donc. En bleu, là, hein, le gars, c'est le seul qui a peint sa maison. Quoi. Bonjour. Ah d'accord, c'est un hôtel. Ok. Encore avec ce truc, ça doit être Miranda, ça. Oh, elle, je la connais. Ça doit être Miranda. Morceau de relief. Ah, c'est ce qui me manquait. Il en faut deux. Pour être heureux. C'est là qu'elle est limitée sa base sur le village. Chercher les morceaux de relief. L'un d'eux se trouve dans l'église. L'autre a été confié à Louisa. Qui est Louisa? Oh. Petite sauvegarde. Madame Louisa? Bah rien. Pas la chèvre. Ouais, excusez-moi. Il avait envie de pisser dans le buisson. C'est-à-dire... Qui ça? Qui a envie de pisser dans le buisson? Ethan? Alors, attendez, je regarde un petit coup la carte. Oh ouais, je peux aller en face, c'est rien, c'est bloqué. Derrière, là-bas, ça bouge pas, aller à droite. Excusez-moi. Oh mon dieu, il est 23h. On va pas tarder à... Je vais pas tarder à y aller, je suis désolé, on n'a pas fait grand-chose. Coucou, Jarkos. Mon tarif, je te dis, on va pas tarder à y aller. Ah, il a foncé avec le tracteur pour aller au buisson le plus proche pour aller faire pipi. Je comprends. C'est pas le moment d'avoir des ennemis là, parce que moi j'ai pas de munitions. Oh putain, sérieux. Merde. Ok, d'accord, j'ai compris. Une mine, super. La mine, je la mets à 4. Elle est à 4, ok. Oh putain. Non, mais... Me donnez pas que 10 munitions. Je vais pas casser ça avec un couteau quand même. Oh le fils de... Il est là-haut. Viens là! Viens que je te bute en... Fabriquer les objets via eux. Alors, ok, je vais fabriquer un remède. Oui, genre j'ai le temps pour faire ça là. Ok. Ouais, j'en ai fabriqué Dora. Purée, mais le jeu il est pas simple hein. C'est que le début là, et déjà je me fais attaquer, agresser, bolosser quoi. Bonjour. Fermez la porte. Vite. Madame.
Ça va, toi, tu veux pas buter des gens? Hey, vous faites quoi ici? C'est là que Stéphane a compris qu'il était foutu. Non, ça va. Comme vous le voyez. Pas. Pitié, vous faites donne-moi ton gros couteau. Non, calmez-vous. J'ai besoin de ton gros couteau. Salut, licorne. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Licorne, t'arrives à peine et voilà. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Elle n'est pas d'ici. Oh, super, xénophobie. On n'est pas en sécurité ici. Tu sais, les corbeaux, il y a deux trucs dans la vie. Genre, la mort. Il a perdu beaucoup de sang, il faut qu'on aille chez Louisa. Oui, Louisa, elle a le deuxième truc. Moi, j'ai besoin. Il doit y avoir un accès. De Louisa. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Il y a le tue aussi, oui, bien sûr. Monsieur, je peux prendre ton... Non ? Oh putain, qu'est-ce qu'il a dit qu'il faut faire là ? J'ai pas écouté. Entrer chez Louisa. Oh putain, faut que j'aille chez Louisa. Alors, est-ce qu'il y a des munitions là-dedans hein ? Ouais, il y a des munitions. Je suis pas rassuré d'avoir des munitions parce que les petits pistolets là, ça fait pas grand-chose. Hein. Je peux pas passer par là ? Non ? Ça fait pas grand-chose hein, quand même. Hein. De la poudre noire, ok, super. Louisa ? Louisa ? Y'a quelqu'un ? Louisa ? Oh ! Je peux déjà ouvrir ça ? Louisa ! Venez ! C'est ouvert ! Vite ! Vite ! Referme derrière toi, s'il te plaît, Ethan. T'en as mis du temps ! Quoi ? Ouais, c'est ça de rien. J'ai mis 20 secondes, frère. 20 secondes. Louise attaque. Il a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. Ça, je le refais. On sera à l'abri ici. N'est-ce pas ? Ouais, ça mieux qu'à l'extérieur, ça c'est sûr. Hé ! Vous avez une idée de ce qui se passe ici ? C'est à n'y rien comprendre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de couler des trucs là-bas. Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Louisa! Papa! Ouvre! Il faut qu'on entre. Merci pour le follow, Sidkugurt. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Sidkugurt. Il faut que tu t'accroches, papa. 20 secondes? Moi, je tiens 8 heures dans un lit, monsieur. Voire des fois 10 heures. C'est que j'aurais fait une bonne nuit de sommeil, du coup. Attendez. C'est quoi ici? Ah! Non, je croyais que c'était... Alors, il faut retirer une vis. Oh, purée! Il faut retirer le morceau de relief, et là. Il faut... Putain, mais t'as un couteau pointu, utilise ton couteau. Tout le monde utilise son couteau. Non, monsieur veut un tournevis, bien sûr, bien. Ouais. Moi, quand j'ai pas de tournevis, j'utilise un couteau. Couteau pointu. Je tourne. Ça marche bien. Fluide chimique, là, on fait caca. Super. C'est verrouillé. Ok, pizza. Ici aussi, c'est verrouillé parce qu'il a essayé. Eh oh! Y'a quelqu'un? Louisa! Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! En fait, je sais pas comment ça se prononce, mais je me suis juste Arrête énervé contre mon clavier. D'accord. Tu vas attirer les monstres! Liliane, du calme. C'est qui lui? Bah, j'ai tapé site. Papa! Je t'en supplie. Ah, Gugugu, qu'elle a pas vu, jeune. Ils vont sentir le sang. Vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Oh, c'est Louisa ? Ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Venez, par ici. Toi aussi, je vais te prendre ton fusil à pompe, là. Vous n'êtes pas de ce village ? Non. Non. Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire ? C'est bien fait, le visage. Bien. Si Elena vous fait confiance... Alors, moi aussi. On se connaît depuis toute notre vie. C'est ma bro. Restez ici.
Je vais voir les autres. D'accord. Je vais quand même fouiller pendant que vous n'êtes pas là. Oh bah dis donc, Louisa, une partie du bétail a encore été tuée. Si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quant à Ernest qui a disparu, nous n'avons toujours pas trouvé sa trace. Mais Alminanda nous aurait-elle abandonné? Peut-être, on ne sait pas. La question se pose. Le mec il fait vraiment comme chez lui. J'ai regardé un petit peu les photos. Ouais, hein, c'est une jolie photo. C'est en sépia. Oh, c'est... Suivez-moi. Quoi? Oula! 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 Et quand t'as une petite dandelle qui t'ouvre la porte, dis. Suivez-moi. Et là, mais là, c'est que. C'est qu'on va aller sauvegarder. On va terminer là, les amis. Bon, ça fait une petite heure. Alors, on n'a pas fait grand-chose. Pour l'instant, on n'a pas encore découvert Lady Dimitrescu. Mais ce sera pour le prochain épisode, j'imagine, j'espère.